J'aime toujours être entourée de mes excellents confrères, mesdames et messieurs, pour débattre des temps forts de l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis avec Pius Romain Roland du groupe L'Avenir. Bonjour Pius. Bonjour, cher conseiller. Comment ça va? Très bien. L'Avenir, ça va? L'Avenir va très bien. Vous allez découvrir beaucoup de titres d'actualité dans ce quotidien de l'Avenir du Congo. Ok, nous allons parler aussi avec Kaniki. Bonjour Kaniki. Oui, bonjour Paulette. Journaliste indépendant. Donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous allons nous baser sur le titre de l'avenir aussi, comme notre confrère est là, honneur à l'avenir aujourd'hui. L'avenir nous dit, d'ailleurs, pour la une de lundi et de mardi, l'avenir nous dit la CENI accorde 2 jours de recours par rapport à la candidature des gouverneurs, des candidatures qui sont irrécevables. Et pour le respect de la Constitution, mais l'avenir nous rassure, l'AMP est irréprochable. Nous allons parler de la candidature des gouverneurs. La liste est publiée déjà depuis quelques heures, mais cela pose problème. Beaucoup de noms ont été retirés de la liste, mais je vais essayer par rapport... nous avons toujours notre source, hein? La prospérité cette fois-ci. Nous allons vous lire les noms des gouverneurs, quelques-uns qui ont été retenus, donc vraiment pour plus de précision. Donc voilà, en gros, parmi les grands noms, selon la prospérité, on retrouve par exemple pour le Bazouélé, Jean-Paul Lemoyato, à l'Équateur, Jean-Claude Baïndé, au Katanga, Alexis Kalouazi Nchassa, Bijou Mouchitou, au Olomami, Célestin Bouyou, au Ouélé, Jean-Pierre Lola Kisanga, en Ituri, Jean-Babanissa Saïdi, John Tinanzabo, au Kassai, Roger Ntumba Toro Wantumba, au Kassai Central, Kandemou Pompa Alex. Au Kassai Oriental, Alphonse Ngoyi Kassanji. Au Kwango, Hortensia Madunga. La Rousse Kaboula. Au Kwilu, Laure Marie Kawanda. Vitaline Pilipili. À la Lomami, Bruno Kazadi Bukasa. Kamanda Chibangu. Au Lualaba, Richard Mouyez Vanguez. Fifi Masuka. Au Maïndombe, Jantini Ngobila. Simon Bolenge. À la Mongala, Léon Mondolé. Philippe Mazegabio, au Nord Ubangi, José Masikini, Marie-Thérèse Guérembo, au Sankourou, Pierre Locatio Teteopeta, Berthold Oulungu, au Sud Ubangi, José Makila Soumonda, Oscar Molambo, au Tanganyika, Christian Mwando Ntimba, à la Tchopo Hubert Molisso et à la Tchopa Papi Boto et Cyprien Lomboto. Du côté des candidats irrécevables, la liste est aussi longue, mais nous vous prenons quelques-uns dans la foulée. Barthélémy Mumbagama et Jean-Pierre Dikanga Kazadi sont écartés, tandis que John Tibasima, candidat gouverneur en Ituri, est invalidé. À la Lomami, Théophile Lukamba Tamboué et Prosper Bukasangoy sont eux aussi déclaré non recevable. À la Tchopa, Jacques Njoli et Sengeli, le sénateur est exclu de cette épreuve électorale. Voilà, en tout cas, en quelques mots, nous brossons un peu le tableau. Pius Romain Roland, beaucoup de ceux qui sont ceux dont les candidatures ont été traitées d'irrécevables, beaucoup se plaignent. Vous êtes un fait limier. Est-ce que vous avez suivi le propos du sénateur ou du député, je ne sais plus s'il est encore sénateur ou député, Henri Thomas Lokondo, par rapport à la CENI? Il dit que non, la CENI aujourd'hui, pour lui, est instrumentalisée parce qu'elle a accepté d'une certaine façon l'injonction de la majorité présidentielle. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. Mais que ce soit la plénière, que ce soit le membre du bureau, ce sont les membres de partis politiques. Mais qui deviennent indépendants, selon eux, quand ils arrivent là-bas, ils prêtent allégeance à la CENI, donc ils n'ont plus à subir la pression de leur parti politique, selon... Malheureusement, le président de la CENI l'avait dit que son organe subit des pressions de part et d'autre. Majorité, société civile, opposition... y compris même la communauté internationale. Donc, en réalité, ce que Henri Thomas Lokondo a dit, ce sont des choses qu'il faut revoir. Redonner l'indépendance à la CENI de traiter les candidatures conformément aux critères posés. Vous avez l'idée de la loi électorale. Qu'est-ce que ça dit par rapport au candidat gouverneur? Bon, candidat gouverneur, il est vrai qu'il faut d'abord être UCI,
être de nationalité congolaise. Il faut être de nationalité congolaise. Je vais essayer d'avoir ça quelque part. Ça c'est un fait. Mm-hmm. On ne peut pas être gouverneur qui n'est pas congolais. Okay. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Mm-hmm. Et il faut être d'abord de nationalité congolaise. Il faut jouir de la confiance de son parti politique, plateforme ou regroupement, nonobstant aussi, il y a des indépendants. Mm-hmm. Pourquoi je me dis que les indépendants s'hasardent sur ces terrains? Puisque déjà, l'Assemblée provinciale est politique. L'Assemblée provinciale est politique. Et dès lors, elle est politique, elle obéit aux injonctions de leur famille politique. Je vous donne le cas dans un passé récent. Kinshasa. L'Assemblée nationale Kinshasa était en majorité MLC. Provinciale de l'époque. Provinciale. Non, Kinshasa. Oui, c'est Kinshasa. Provinciale. Oui. En majorité MLC. Mais on était sûr qu'à l'époque, c'était Adam Bobolé qui devait être normalement. Hein. Et pourquoi... On était presque sûr à 100%. Et pourquoi il a échoué? C'est puisque les alliés du MLC n'ont pas trouvé compte dans la distribution des postes. Le MLC voulait avoir tout, et le gouvernorat et le vice-gouvernorat. Les alliés sont allés s'entendre avec la majorité. Nous vous donnons le gouverneur, vous nous donnez le vice-gouverneur. Ce sont des jeux politiques. Mm-hmm. Il n'y a pas eu corruption. Tout simplement. Ce sont des jeux politiques. Et dès lors, les indépendants, quand je dis ils s'hasardent sur ce terrain, à moins qu'on ait beaucoup d'argent pour corrompre les députés provinciaux, ce qui est un délit, la corruption, ce qui est un délit. Donc, pour les indépendants, je dis, s'hasarde sur un terrain où ils risquent de perdre l'argent pour rien, puisque l'Assemblée provinciale est politique. Si, je prends l'exemple de la Tchopo, si vous avez 72 députés, je ne dis pas le nombre qui est là, vous avez 72 députés provinciaux, 62 sont de la majorité. Et toi qui es de l'opposition, pourquoi tu vas t'hasarder là-bas? C'est un jeu perdu d'avance. C'est un jeu perdu d'avance. C'est là où les politiques, parfois, doivent cultiver la moralité politique et l'éthique politique. Ne pas crier à la contestation. Dès lors, les décors plantés, moi je ne peux pas m'hasarder sur un terrain où je ne suis pas appuyé par ma famille politique. Kaneki, c'est vrai que les candidats indépendants se sont plaints et vous avez suivi, vous avez lu la lettre de la majorité présidentielle adressée à la CENI. Ils se disent que non, les indépendants jouent un double jeu en fait. On doit respecter les noms prévus par la majorité présidentielle. Ils n'ont pas le droit, étant membre de la majorité présidentielle, de se présenter comme indépendant. C'est de la triche en quelque sorte. C'est peut-être de la triche selon que la majorité présidentielle l'a présenté. Mais nous savons, tous, ayant vécu dans ces pays, nous savons qu'il y a des cas de jurisprudence. Nous avons vu des cas où des gens appartenaient à la majorité présidentielle, mais ils se sont présentés en indépendant. On a cité les exemples tels que celui du gouverneur de Bakongo, Mbacha. Okay. On a cité également l'exemple de Bamanisa. Jacques Mbadou. On a cité également l'exemple de Bamanisa. Mm-hmm. Alors, lorsque cette situation s'est présentée à l'époque, on n'a pas vu la majorité vouloir retirer, n'est-ce pas? On n'a pas vu la majorité vouloir retirer le nom de ces deux personnes, de ces deux personnalités que nous évoquons tantôt. Maintenant, je voudrais revenir quand même sur la CENI. Est-ce que la CENI est-elle habilitée à pouvoir désigner qui appartient à telle famille politique, qui n'appartient pas à telle autre famille politique? Quel est le rôle de la CENI? Le rôle de la CENI n'est que de contrôler la recevabilité des candidatures. Exactement. Tout simplement. Dans le cas présent, moi je crois qu'il y a des critères qui ont été, institués pour toute personne qui se veut candidat à l'élection du gouverneur. La CENI n'est pas là pour entrer dans les considérations
politique, en fait. Exactement. Vous allez répondre, c'est un organe tout à fait technique, donc elle n'a pas à entrer dans les méandres politiques des familles politiques. Des familles politiques, exactement. Parce qu'on l'a vu, je reviens sur le fait qu'on l'a vu, ça n'a pas commencé aujourd'hui, on l'a vu avec le cas du Bas-Congo, on l'a vu avec le cas de la province orientale. La CENI n'était pas allée vérifier est-ce que Bamanissa ou l'autre est effectivement indépendant ou appartient à telle autre famille politique. Puisque c'est passé là-bas, c'est pourquoi on parle de la jurisprudence, puisque c'est passé là-bas, ça veut dire qu'ici également, ça pouvait passer. N'est-ce pas? Ça pouvait passer que telle personne qui dépose sa candidature, lorsqu'il répond aux critères exigés pour occuper ces postes-là, pour être éligible, automatiquement, la CENI devrait entériner cette candidature. Alors, je crois que ça pose problème à partir du moment où la CENI répond à la lettre du secrétaire général de la MP. Et aujourd'hui, tout le monde voit que la CENI est inféodée à la MP. Voilà un peu. Oui, avant de donner la parole à Élisée Bomba qui vient d'arriver, est-ce que vous avez à rebondir par rapport à ça? La CENI est un organe délibérément technique, donc elle n'a pas à entrer dans les considérations politiques. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Vous savez que la sphère politique congolaise, elle est caractérisée par la transhumance politique. Ce qui est un très sérieux problème d'immoralité politique de nos acteurs politiques. Aujourd'hui, vous vous identifiez que vous êtes membre de tel parti politique. Et dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Il y a des instruments réglementaires qui régissent le parti politique. Et dans le regroupement politique, il y a ce qu'on appelle la charte. Dès lors où vous vous engagez, il parlait de la jurisprudence, c'est un fait qui est tout à fait réel. Mais on ne peut pas continuer dans la négativité. Je ne prends pas part de la majorité. Moi, je m'attaque aux acteurs politiques qui jouent un double jeu. C'est trop dangereux. Pourquoi? Vous vous identifiez en tant qu'appartenant à telle famille politique. Il faut respecter le mot d'ordre de la famille politique. Il faut respecter le mot d'ordre de la famille politique puisque vous avez apposé votre signature. Vous êtes redevable à ces partis politiques. Mais lorsque, pour des besoins électoralistes, des besoins individuels, vous vous engagez en indépendant, et lorsque vous allez jouer, vous allez échouer à l'élection, vous appartiendrez à quel parti politique? C'est la question qu'il faut soulever, et les acteurs politiques doivent avoir la moralité de respecter leur famille politique, de respecter les textes qui régissent leur famille. Élisée Bomba, très heureuse de vous recevoir, mais la question qu'on se pose, c'est la liberté, en fait. C'est vrai que l'homme politique est aussi un animal politique, en fait, comme on le dit. Donc, c'est aussi la problématique de la gestion des ambitions au sein des partis politiques ou des plateformes. Est-ce que cette lettre de la majorité présidentielle n'offusque peut-être pas les autres? Est-ce que cela ne tue pas aussi l'ambition des uns et des autres? Parce que si la majorité présente, par exemple, Pius et non Élisée, Élisée peut-être se sentira lésée, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il se parle... C'est là aussi où se pose la problématique des primaires aussi dans les partis politiques. Je me pose la question. C'est ça. Est-ce que les uns et les autres se sentent peut-être frustrés par rapport à ça? On propose Pius et non Élisée. Pourquoi lui et pas moi? C'est peut-être ça, la problématique. Je pense que, Paulette, c'est une très bonne question. Merci d'abord de m'avoir reçu. Il y a un problème. Dans ce problème, il y a une thèse et une antithèse. Si nous partons du point de vue, comme disait M. Pius tout à l'heure, du respect de la charte, nous comprenons effectivement que l'homme politique se doit de quand même avoir une question, c'est une question de propriété morale. D'avoir une morale quand même à la place pour savoir que je suis redevable à tel parti politique. Mais du moment où, si au niveau de la majorité est une plateforme qui régit plusieurs partis politiques. Exactement. Mais peut-être mettons en place que, par rapport à la situation politique du pays, réfléchissons sur ce point-là, il y a un parti politique qui se dit mettre une technique personnelle, ok, établir une stratégie, en scène qu'il envoie certains de ses candidats en indépendant. Pour avoir plus de chance. Voilà, alors... Cette lettre de la majorité
qu'est-ce qu'elle fait? Donc ça veut dire qu'elle entre même dans la gestion des partis politiques. Alors que lorsque nous sommes dans une plateforme, vous n'avez pas le droit de gérer nos affaires internes. Vous gérez ce qui nous unit. Vous gérez ce qui nous met ensemble. Nous avons un objectif à atteindre, mais chacun a des prérogatives. Chacun a un projet à atteindre. Là où maintenant, qui impose, voilà. Que c'est le PPRD qui donne des lois et muselle avec d'autres partis politiques. C'est là où il y a le problème. Moi, j'ai posé une question hier. Je crois qu'on était en train de discuter avec plusieurs journalistes. J'ai posé une question. Le président de la République, Joseph Kabila, en 2006 et en 2011, on se rappelle qu'il a posé sa candidature comme étant indépendant. Mais il est en même temps autorité morale de la majorité présidentielle. Merci. Il y a certains qui me disent, voilà, il n'a pas de carte. Non, il est l'autorité morale. Et même le PPRD va jusqu'à dire qu'il est l'initiateur du PPRD. Et on lui impute même du MSR. On lui impute même du MSR aussi. Exactement. Alors, est-ce que c'est pour autant qu'on doit directement, à cette époque-là, dire que sa candidature n'est pas valable? Non. Moi, je crois qu'il faut que la CENI reste, là je le rejoins pour dire que la CENI doit faire son travail technique. La CENI ne peut pas s'ingérer dans les partis politiques. La CENI ne peut pas s'ingérer dans les plateformes politiques. Aujourd'hui, voilà encore une bêtise qui donne comme le dit si bien l'objectif de Dagudul Boalia, candidat gouverneur, c'est la première bourde de Corneille Nangaa. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est lui-même qui a donné la passe. C'est lui-même qui a donné la passe. Vous comprenez? Si aujourd'hui, il y avait plusieurs manières de réagir. En fait, je ne dis pas que je félicite. Dans l'homme, il y a le bon côté, il y a les mauvais côtés. Okay? Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut féliciter. Moi, à son époque, j'ai félicité Ngoï Mulunda. Quand il est arrivé, la première des choses qu'il a faites, il a consulté tous les partis politiques. Malou, c'était la même chose à son époque. Vous comprenez? Lui, quand vous consultez, quand il y a des résultats, quand il y a quelque chose, vous sentez... Parce que quand vous êtes à la tête de la CENI, vous êtes un technicien, vous êtes un technocrate. Et en même temps, vous devez aussi être un fin diplomate. Parce que vous gérez la majorité, vous gérez l'opposition, vous gérez la société civile. Donc, une petite bavure fera de vous... En fait, on va mettre sur vous déjà une étiquette. Et c'est ce qui est fait maintenant. La population, les partis de l'opposition se disent déjà ils n'ont plus confiance dans ce comité, en ce directoire. C'est là le problème, c'est là où le bas blesse. Parce qu'il ne pouvait pas, s'ingérer, il ne peut pas écrire, il ne peut pas le faire. En fait, je pense qu'on n'arrive pas à se comprendre. C'est ça, c'est du choc des idées que j'ai là. On n'arrive pas à se comprendre. Je reviens là. Est-ce que la CENI... Choc des idées, ça y est là, monsieur. Je reviens. Est-ce que la CENI avait le droit... Non. Non, ça c'est moi qui pose la question. Okay, merci, oui, je vous en prie. Est-ce que la CENI avait le droit de retirer les candidats indépendants? C'est son droit. Non, en fait, la CENI n'a pas... n'a fait qu'obéir aux ordres de la majorité. Selon la loi, malheureusement, nous n'avons pas la loi. J'ai oublié la loi électorale, mais j'ai quelques idées. Oui. En fait, la CENI reçoit les candidatures de partis politiques, des regroupements politiques. Et des indépendants. Exactement. Maintenant, au niveau de partis politiques, les partis politiques disent... Nous, parce que j'ai entendu Élisée qui dit la plateforme s'ingère même dans la gestion de partis politiques. Exactement. Non, c'est-à-dire au sein je de... Je n'ai pas dit ça. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bon, je n'ai pas compris. C'est-à-dire voilà, au sein des partis politiques, au sein de la plateforme, il y a les partis politiques qui viennent là, qui sont regroupés, ils disent... Qui cèdent un peu de leur souveraineté. Voilà, ils disent, nous, nos potentiels candidats, sont là. Okay. Nous, les nôtres sont là. Les nôtres, ils discutent au sein de partis, du bureau qui regroupe la plateforme. Quand je parle des plateformes, je ne vise pas l'AMP, je vise toutes les plateformes. Maintenant, il se fait que dans le calcul politique, je vous dis que nous sommes pris en otage par les acteurs politiques. Dans leur calcul politique, ils disent... Lui, par rapport à celui-ci, lui a plus de chances. Celui-ci a plus de chances de gagner que l'autre. Il ne faut pas minimiser les chances électorales. Il ne faut pas minimiser. On ne peut pas mettre n'importe quel pion pour ne pas. Si vous vous souvenez. Je vous en prie. Non, ce n'est pas la CENI. Ce sont les plateformes et les partis politiques qui ont envoyé à la CENI. La CENI dit moi, j'ai reçu des regroupements politiques, telle liste. Les autres ne vous reconnaissent pas.
Alors, c'est à la CENI d'invalider cela? Ce n'est pas à la CENI d'invalider, d'autant plus que la CENI a accordé deux jours. Est-ce que c'est suffisant, selon toi, plus Romain, deux jours pour autant de recours? Bon. C'est suffisant? Vu le temps, vous oubliez que nous avons un calendrier. Non, vous parlez du temps maintenant. C'est pourquoi je dis, vous l'avez bien dit, l'animal politique. Mm-hmm. Je ne suis pas tout à fait d'accord que les indépendants soient mis de côté. Puisque Élisée l'a relevé, le chef de l'État, ça c'est un électorat national. En tant que chef de l'État, il ne pouvait pas se présenter appartenant à telle famille politique. Comparaison n'étant pas raison. Maintenant là, nous devons relever. Non, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Comparaison n'étant pas raison. C'est vrai que la RDC n'est pas la France. Mais je me pose la question. On sait qu'en France, François Hollande s'est présenté comme socialiste de gauche. Sarkozy, on sait. Qu'on le veuille ou pas, il est de droite. Barack Obama, qu'on le veuille ou pas, démocrate. Bush, républicain. Pourquoi chez nous, le président doit se présenter en indépendant? Vous avez dit qu'il a peur de ne pas être voté ou de ne pas être rassemblé. Voilà la difficulté. Je vous en prie. Vous avez parlé tout à l'heure de primaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au niveau de la branche socialiste, ils font le primaire. Ils disent, les candidats socialistes, c'est là. Maintenant, la population, c'est la population qui donne le quitus. Les républicains ont échoué. Voici ce qu'ils nous ont posé comme problème. Cette fois-ci, nous donnons mandat aux socialistes. Le même peuple, le même socialiste qui a donné mandat aux socialistes, à la prochaine législature, ils peuvent lui retirer la confiance pour donner aux républicains. Mais ici, chez nous, nous avons le problème de la moralité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends. Nous avons un problème. Donc, l'inconstance des hommes politiques. La population ne peut pas avoir confiance aux politiques. On ne sait pas où le situer, en fait. On n'en a pas. Je vous ai parlé de la transhumance politique. Mm-hmm. Ici, nous sommes dans une sphère politique où le décor est planté. C'est l'élection provinciale. L'élection provinciale, c'est-à-dire nous, tous tels qu'ils sont là, il y a des laboratoires obscurs qui appellent les députés provinciaux, qui donne le mot d'ordre. Notre candidat, c'est celui-là. Si vous n'avez pas... C'est ça la difficulté de la gestion de la sphère politique congolaise. Ce que Henri Thomas Lokondo a déclaré, c'est juste. On ne peut pas retirer aux candidats indépendants cette obligation de ne pas se présenter à l'élection des gouverneurs. Mais moi, je me dis, en tant qu'indépendant, dans un décor bien planté, a-t-il la chance de gagner? Oui, est-ce que les indépendants ont-ils la chance de gagner, comme le dit si bien plus Romain Rolland? Ou c'est pour gonfler, je vous en prie, simplement le cursus politique? Un décor aussi planté, est-ce qu'ils ont la chance de gagner? Qu'on leur laisse alors la liberté, qu'ils se présentent, s'ils gagnent, ils gagnent, s'ils perdent, ils perdent. Pourquoi les casser dès le départ? Paulette, s'ils n'ont pas de chance de gagner, la MP ne devrait rien craindre. Si la MP demande à ce qu'on puisse retirer le nom qu'il a énuméré là, ça veut dire que quelque part il a peur que les cartes puissent être brouillées. Donc, on peut se présenter en indépendant. Vous dites que nous sommes en RDC. Vous avez dit que la RDC, ce n'est pas ailleurs. En RDC, on peut se présenter en indépendant. Tout à fait. Et puis, on passe effectivement. Qui savait que le sénateur King Wadondo allait être président du Sénat? Vous avez donné l'exemple de l'Assemblée provinciale également. L'Assemblée provinciale de Kinshasa également. Donc ça veut dire que c'est possible qu'on se présente en indépendant. Il n'était pas indépendant. Non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas en tout cas de la majorité. Voyez-vous? Et donc on ne lui donnait pas des chances de pouvoir présider, rapporter les élections au niveau du Sénat. C'est ça le problème. Alors, mais je voudrais quand même revenir sur cette question de la CENI, parce que bon, ça me picote un peu. Est-ce que Corneille Nangaa a fait une bourde pour vous? C'est déjà une photo. Je ne voudrais pas me prononcer sur la bourde ou pas, mais je voudrais dire ceci. Notre préoccupation était celle de savoir, non pas ce qui se passe dans le parti politique et dans les regroupements politiques. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Ce n'est pas ça la préoccupation du peuple congolais de politique en ce moment. La préoccupation en ce moment, c'est celle de savoir si la CENI avait le droit de retirer le candidat indépendant. Dans la mesure où lui reçoit les candidatures des indépendants, des partis politiques et des regroupements politiques,
Il n'est pas là pour aller vérifier est-ce que le nom de cet individu indépendant se retrouve-t-il dans la liste d'un parti politique de la majorité. Oui. Ce n'est pas ça son rôle. Non, elle a ce rôle. Vous savez pourquoi? Je vous en prie. S'il vous plaît. Vous savez... Elle a ce rôle-là? Oui, elle a ce rôle. Vous savez pourquoi? Ça pose un sérieux problème de gestion politique. Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale. Il y a... Imaginez-vous, vous êtes député, élu sur la liste de tel parti politique. Lorsqu'on forme le groupe parlementaire. Le groupe parlementaire se forme sur base de regroupement de partis politiques. N'est-ce pas? Et lorsque vous quittez ces groupes parlementaires, vous n'avez plus droit de vous afficher dans un autre groupe parlementaire. Il y a déjà une transhumance politique. Aujourd'hui, c'est le cas avec du le MCR. Non, je parle de MCR. Okay. Je parle de MCR. Il y a bicéphalisme. Il y a ceux qui se disent du MCR qui sont du côté de l'opposition. Il y a ceux qui se disent du MCR qui sont au niveau de la majorité. Et je te l'ai dit, je pense qu'il y a notre confrère de la Cité africaine qui a intitulé « Rentrée parlementaire du 15 mars, session explosive ». Ce sont des dossiers qui mettent mal à l'aise la gestion de la République. Puisque l'homme politique... Non, mon frère, ne parlons pas avec ambition... Nous devons aider la population, voir comment l'homme politique est en train de créer la crise, non pas pour le bénéfice de la population, mais pour son propre compte. Il est dans un regroupement, dans un groupe parlementaire X. Puisqu'il a été exclu de parti politique, il se réclame. C'est son droit, non? Oui, c'est son droit, mais il... Si vous n'êtes pas de la majorité, vous êtes à l'Assemblée nationale, si vous n'êtes pas de la majorité, automatiquement, vous basculez dans l'opposition. Mais vous ne serez pas dans un groupe parlementaire. Vous ne le serez pas, pourquoi? Puisque il y a cette question des transhumances politiques qui pose problème. En fait, vous avez en partie raison. Pourquoi? Puisque... La CENI organise l'élection des acteurs politiques. Et aujourd'hui, l'électorat est divisé en deux. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Et les indépendants, il y a des indépendants. Et lorsque on se réclame indépendant, il faut bien peser les mots. D'indépendance. C'est-à-dire, s'il vous plaît. Tout ça ne concerne pas la CENI. Ça préoccupe la CENI puisque la gestion politique à l'heure actuelle, l'organe politique. Puisque l'Assemblée nationale se réfère à la CENI, je donne un cas, je ne monopolise pas la parole, excusez-moi. Je donne le cas, puisque ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Tel candidat était premier suppléant. L'autre part. Celui qui part, il dit non, mon premier suppléant, c'est tel. On va vérifier ça. Je te pose la question. On va vérifier c'est ça. Moi qui pose la question. C'est la CENI, puisque les documents ont été. Je vous en prie. Élisez-vous. Moi, je crois que, en fait, pour rebondir par rapport à ce que. Mon confrère disait tout à l'heure. Parce que nous parlons à cette population qui ne comprend pas très bien. Parce que nous saisissons peut-être les subtilités. Est-ce que c'est à la CENI, est-ce que c'est le rôle de la CENI d'aller vérifier que celui-là est membre de l'AMP, celui-là est membre de l'opposition, l'autre est indépendant? Est-ce que c'est son rôle à l'AMP? Non, je vous en prie, c'est moi qui pose la question. Parce que nous nous parlons à cette population lambda qui ne comprend pas très bien les méandres techniques. C'est à la CENI d'aller vérifier que non, celui-là non, celui-là non, ou c'est la CENI est là simplement pour valider les candidatures? Moi, je crois qu'il y a cette question a deux réponses, deux volets de réponse. Le premier volet, c'est que, en tant qu'organe technique, la CENI se doit effectivement de connaître l'origine de chaque candidat. Je vous en prie. C'est tout à fait normal. Okay. Mais de là à aller s'ingérer dans les partis politiques, dans la situation, la gestion des partis politiques, non. Deuxièmement, ma deuxième réponse, le deuxième volet, c'est à ce niveau. La CENI, le problème que nous avons ici, c'est
l'invalidation des candidats indépendants. On a invalidé que les indépendants, en fait. Les indépendants. On invalide les indépendants. Une question est simple. Je crois que Pius vient de dire quelque chose de très important. Vous avez quelqu'un qui est du parti X. Il fait partie de la plateforme O. Il sort de son parti X. Il n'a pas la connotation du parti X. Il va en tant qu'indépendant. Il prend l'argent de sa propre poche pour donner la caution. La plateforme O écrit à la CENI pour citer le nom de ce monsieur, pour dire qu'il y a certains noms, ces noms ici doivent être invalidés. Mais maintenant, au niveau de la technique, qu'est-ce que la CENI devait faire? La CENI devait se rendre compte, est-ce que ce monsieur est venu au nom du parti ou de la majorité, ou il est devenu indépendant? S'il est indépendant, la CENI n'a pas droit de répondre pour dire, écoutez, ça c'est votre affaire interne. Mais maintenant, Thomas Lokondo dit, c'est à la justice de trancher cette question. Mais il dit aussi que si la justice tranche mal, et bien là, nous créons encore un monstre dans ce pays. Ça commence à faire peur. Le problème, est-ce que nous allons créer... Il fallait qu'ils voient tout ça. Vous savez, quand on gouverne, il faut prévoir. Est-ce qu'il fallait... C'est en 48 heures qu'on va régler tous ces problèmes? C'est ça la question que je me pose. Parce que l'avenir nous a dit... Nous avons les indépendants. Les indépendants, c'est des chances. Écoutez, Basile était de quelle plateforme politique? Notre confrère. Il était indépendant, en fait. Il était indépendant. C'est le député. S'il vous plaît, il avait son association, s'il vous plaît. Il avait son association. Je parle... Non. Il avait son association. Il est allé, il s'est présenté en tant qu'indépendant. Je pèse mes mots. J'ai les preuves. Il s'est présenté en tant qu'indépendant et c'est le député le mieux élu en 2011. De Kinshasa. Il est de Kinshasa. Il était indépendant. Il n'avait aucune plateforme politique. Il s'est détaché en indépendant et je crois l'association Basile, la compagnie et tout comme ça. Nous, du côté aussi de la majorité, on a eu des gens qui étaient indépendants. Ils sont passés, ils sont après, même pendant les élections de gouverneur, Jacques Mbadou n'était pas du PPRD. Il faut qu'on se le dise. Notre ami de Bamanissa n'était pas du PPRD. Il était de la majorité. Il était peut-être de la majorité et il s'est affiché en indépendant. Tout à fait. Mais écoutez, est-ce que c'est là, il faut qu'on donne la chance. C'est là aussi. Ne montre-t-il pas, comme le dit si bien Plus, notre inconstance? Pourquoi se présenter en indépendant quand on est d'une plateforme? Mais le problème, c'est là maintenant, on revient. C'est là. Non, même pas ça, mon frère. Le problème, c'est maintenant la gestion des plateformes. Là, je ne veux pas m'ingérer. La gestion, que ce soit de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition, c'est la gestion interne des plateformes. Le problème, vous savez, aujourd'hui, on a eu dans ce pays, le problème, c'est qu'on veut faire les choses à la va-vite. C'est ça notre problème. Nous avons l'organe technique qui est là. L'organe technique donne le calendrier des élections. Il y a des candidats indépendants qui se présentent, ok, avec, personnellement, d'autres, comme j'ai su le dire ici au départ, Pius ne m'a pas compris, il a dit ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la plateforme, de la, par exemple, la majorité, que ce soit l'opposition, toutes les plateformes gèrent les partis politiques. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, j'ai dit que chaque parti politique a sa suprématie et ils se mettent ensemble autour d'un... J'essaie de vous lire ce que l'avenir nous dit. Pour arriver à cette décision d'exclure les indépendants, la CENI a considéré le fait que certains partis et personnalités politiques ont déposé les dossiers des candidatures dans la même circonscription électorale que les regroupements politiques dont ils sont membres. Et ce, en violation des dispositions de l'article 34 de la décision du 28 février 2015 portant mesures d'application de la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi du 25 juin 2011 et celle du 12 février 2015. Par conséquent, comme il y a concurrence entre une liste d'un parti politique et celle de son regroupement politique d'appartenance, primauté est accordée à la liste du regroupement politique face à celle du parti politique indiqué, indique la décision 005 du 28 février 2016 qui ajoute que, considérant par ailleurs que l'appartenance des candidats concernés au regroupement précité est avérée, en ce sens qu'ils ont été élus lors des consultations électorales précédentes, députés nationaux ou provinciaux, sénateurs, gouverneurs ou sont détenteurs d'un mandat public obtenu pour le compte de ce regroupement. Maintenant, je pose la question. Ceux qui ne sont pas députés, ceux qui ne sont pas élus, se présentent comme indépendants. C'est ça, justement. Sont validés. Ceux qui ne sont pas députés. Ou sénateurs. S'il vous plaît. On doit éclairer l'opinion. C'est là le problème. Ceux qui ne sont pas députés, sénateurs. Ceux qui ne sont pas députés. Mais se présentent comme indépendants. Ceux qui n'ont pas mandat législatif, qui se présentent en indépendant pour une concurrence de poste de gouverneur,
leur candidature passe vraiment sans comme problème. Lettre à la poste. Le problème ici, c'est entre regroupes. Parce qu'il y a des gens déjà. Non, il y a la loi. Il y a la loi. Il n'y a pas de problème, mais il y a des gens qui sont. Il y a la liste. Dans la liste, il y a des gens qui sont invalidés. Oui, ils sont invalidés. Ils ne sont pas des sénateurs, ils ne sont pas députés. S'il vous plaît. Il faut qu'on dise les choses. Il y a. Nous ne sommes pas à la centrale. Je présume qu'ils soient invalidés puisque le critère. N'a pas respecté certains critères. Soit ils n'ont pas respecté certains critères. Là, il faut demander à la CENI. Je ne prends pas part de la CENI. Okay. Si la CENI aurait invalidé ces indépendants sans motif valable, il faut condamner la CENI. Maintenant, ici, le cas, c'est le regroupement. La loi dit primauté sur le regroupement. Le regroupement, puisqu'ils ont été élus dans les mêmes circonscriptions. Je pense qu'on s'est compris. Vous savez que Henri Thomas Lokondo, c'est l'un des cerveaux de la majorité présidentielle. Et il n'y a pas longtemps, il était également candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Si. Comme indépendant. Mais il est mort. Non, s'il vous plaît. Il est candidat comme indépendant. Et la majorité présidentielle ne l'a pas soutenu. Mais il a quand même eu quelques voix. On n'a pas vu la majorité présidentielle à ce moment-là s'élever et écrire quelque part pour dire que non, voilà, cette personne appartient à la majorité présidentielle et il n'a pas le droit de s'est présenté aux personnes de l'Assemblée nationale. La CENI n'est pas l'Assemblée nationale. En fait, c'est S'il vous plaît, je termine. Ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? Nous voulons simplement dire que lorsque ça profite à la majorité, lorsque la majorité joue le jeu, lorsque la majorité tire de ficelle, à ce moment-là, même ses propres fils peuvent aller se présenter en indépendant, n'est-ce pas? Mais lorsque il sent le danger, à ce moment-là, il écrit pour qu'il y ait primauté, n'est-ce pas, du regroupement sur le parti politique. Cette loi existe déjà, peut-être qu'on n'a pas fait allusion. Et là, il ne joue pas franc jeu. C'est ça tout le problème. Le vrai problème, Paulette, en fait. Mais pourquoi on n'a pas relevé ça dans les élections passées? Pourquoi maintenant? Est-ce que, par hasard, ce n'est pas parce que, entre guillemets, on suspecte M. Moïse Katumbi de pouvoir financer une grande partie des indépendants, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas aussi, dans notre point de vue, on est en train de suspecter les gens de la majorité, qui sont dans la majorité, qui jouent le double jeu, avec qui sont financés aussi par le même Moïse Katumbi? Politiquement, c'est immoral. Mais c'est ce que je parle. Bon, maintenant, lorsque la majorité, il faudrait, vous savez, c'est vrai qu'on a toujours dit que ceux qui ont le pouvoir ont toujours la force et tout qu'on sort, mais nous sommes en démocratie. Il faut qu'on ne prône pas la démocratie comme étant un slogan, mais il faut que ce soit effectif. Aujourd'hui, si c'est la majorité qui présentait une stratégie arrêtée, à telle enseigne que, au niveau des associations qui sont alliées à la majorité présidentielle, on présente une multitude des indépendants, je crois que ça allait passer. Mais comme on suspecte encore, parce que on suspecte, entre guillemets, qu'il y a certains financiers qui tireraient des ficelles pour avoir un bon nombre de... Ils prennent leur garde, je crois que si on entre dans la philosophie de Pius, il parle de jeu politique, mais jeu politique à l'avantage de qui? Mais en tout cas, la toute dernière question, c'est vrai que moi je suis une femme, je dois en parler, c'est la représentativité de la femme dans ces élections. Pius, Romain Rolland, le président Kabila, qui est l'autorité morale de la majorité présidentielle, a prôné les 30% de parité. Bon, la parité, on n'y est pas encore, mais ne fût-ce que le 30% de la représentativité de la femme. Mais on voit les listes, à peine 4 femmes! La majorité présidentielle, l'opposition, il n'y a pas de femmes dans ce pays, même si nous sommes incapables d'être président de la République. Est-ce que vraiment il n'y a pas de femmes qui peuvent être gouverneurs? Pourquoi on ne respecte pas les 30% plus Romain Rolland? Bon, au fait... Où on n'a pas de femmes compétentes dans ce pays? Heureusement, vous l'avez dit, je respecte beaucoup les femmes. Je sais qu'il y a des femmes compétentes. Vous avez à diriger la rédaction ancienne. Au niveau de ma rédaction, nous avons les femmes. Mais le problème avec les femmes congolaises, c'est un problème crucial. Les femmes congolaises aiment le paraître. Aucune réflexion dans la tête. Je ne minimise pas
faux. Je vous en prie, je vous en prie. C'est le dernier tour de table. Pas beaucoup de minutes. Je ne minimise pas les compétences de certaines femmes. Mais la quasi-majorité des femmes congolaises sont dans les m'as-tu vu. Pas de réflexion en politique vous-même. Il n'est pas dit que si vous êtes engagé en politique, c'est là que vous avez les ambitions de gérer, puisque la politique, c'est la gestion de la cité. Est-ce que êtes-vous en mesure de gérer la cité? La nomination. Mais les hommes, on ne leur pose pas cette question-là. Hein, si les hommes sont capables de gérer la cité, les hommes, ça passe. Mais pour une femme, on doit toujours poser la nature a fait à ce que la politique est gérée par les hommes en son temps. Mais à l'heure actuelle, la femme combat. Il y a des femmes compétentes. Il y a Marie-Ange Lukiana. Il y a quelques minutes. Il nous reste, c'est le dernier tour. Cathy Kalanga qui sont là. La représentativité de la femme pour ces élections des gouverneurs. Paulette, la parité n'est pas respectée, même le 30%. Paulette, c'est simplement une aberration. C'est une aberration. On n'a pas à se poser la question ici de savoir si les femmes sont capables. Pourquoi si on ne pose pas cette question le matin, on se pose toujours cette question. Non. Au sein du sexisme perdu, au sein de la majorité présidentielle, il y a autant de femmes qui sont capables, qui ont cette tête-là, de pouvoir diriger une province. Sinon, on n'allait pas déjà citer les quatre personnes, les quatre dames dont vous avez fait allusion tout à l'heure là. C'est simplement le fait que les hommes, d'une certaine manière, ils veulent s'étayer la grosse part. Il n'y a que ça. Vous comprenez? Oui, Élisée, pour terminer. Moi, je crois que. Vous n'êtes pas gentil, vous, les hommes. C'est vrai que nous devons maintenant arracher notre liberté. Vous ne voulez pas nous laisser. Vous savez que personnellement, je sais qu'on va m'attribuer tout ce qu'on peut dire, mais je suis le grand défenseur des droits de la femme. J'ai une ONG qui milite pour les droits de la femme. Je crois que, premièrement, et cette volonté politique, normalement, au niveau du sommet de l'État, quand je parle du sommet de l'État, je ne parle pas que du président, de tout le gouvernement, doit partir de l'historique. Il faut qu'il s'asseye pour comprendre qui est la femme. Au niveau, nous sommes chrétiens, moi je suis un 100% Jésus, je prends la Bible. Lorsque la femme est créée, je crois que j'ai fait cette réflexion aujourd'hui, l'homme, lorsque nous sommes créés, nous savons ce que Dieu nous a dit. Nous connaissons les recommandations qui nous ont été données. Mais à un moment donné, l'homme est le fruit du désir de la femme. La femme est le fruit du désir de l'homme, voilà. Ok? Lorsque nous sommes tombés dans un profond sommeil, l'Éternel prend l'une de nos côtes. Il fait une aide semblable. Nous nous réveillons sans poser la question à Dieu et directement, voici enfin l'os de mes os. Question, pendant que nous dormions, qu'est-ce que Dieu avait dit à la femme? La femme est un éternel mystère. Si déjà on comprend ça dès le départ, on comprend que l'homme doit encadrer la femme pour que cette femme puisse être leader de demain. Aujourd'hui, c'est aux hommes de mettre des plateformes pour aider les femmes à aller de l'avant. C'est l'homme qui doit encadrer. Cette femme qui encadre, qui est la cellule de base d'une nation, mais ça doit partir de l'homme. C'est l'homme qui doit être l'élément déclencheur. Parce qu'aujourd'hui, un pays comme le Maroc, où nous avons des femmes, une femme, un pays, un état ou un royaume où on dit que la femme doit se taire, une dame, je connais, qui a 6 universités. Ils ont compris parce qu'il y a certains hommes dans cet état qui ont compris que l'élément déclencheur du développement de l'Afrique de demain, c'est la femme. Alors, elle doit être encadrée, elle doit être mise sur des jalons pour pouvoir aller de l'avant. Ici, au Congo, madame, il y a des femmes qui peuvent diriger ce pays. Il y en a. Dans le futur, il y en a. Il y a des femmes qu'on a vues compétentes ici. Du côté de la majorité, nous avons Marie-Thérèse Mberembo. Nous avons vu ici ce qu'elle a fait de la CENI. Nous avons plein de dames ici. Nous avons, comment on appelle, maman, comme il a dit, maman Lukiana. On connaît ce que maman Lukiana fait du ministère du genre aujourd'hui, qui est vraiment entre guillemets, mais il faut qu'on dise l'ombre de tout. Okay? Il faut qu'on reconnaisse certaines femmes. Mais est-ce que ces hommes-là, nous avons la volonté de reconnaître ces femmes? Nous n'avons pas cette volonté. Et la femme elle-même, parce que, oui, j'arrive maintenant, j'arrive. Nous n'avons pas cette volonté parce que nous voulons tout centraliser. L'homme et la femme sont des partenaires. Il faut comprendre ça. La femme est soumise à l'homme. Ça, c'est le mariage. Ça n'a rien à voir avec la vie professionnelle. Il faut qu'on fasse la part des choses. Et la femme elle-même doit comprendre qu'elle doit s'assumer. Il ne faut pas que, quand on parle de la femme congolaise, excusez-moi de le dire, c'est d'abord la morphologie. La femme congolaise, ça doit être la tête. Et cette tête-là doit se battre. Il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle s'affirme. Elle doit s'affirmer. Si les hommes ne veulent pas donner de passage, les hommes ne veulent pas mettre des jalons, moi je crois que...
Les femmes doivent prendre les... Moi, je l'ai arraché. Je l'ai dit aux femmes, moi, j'ai arraché. Cette émission, j'ai arraché. Madame Astrid Bouk à 80 écoles. Voilà. La femme doit, ici au Congo. La femme doit se battre pour arracher. Parce que, comme l'a si bien dit les hommes qui sont tout autour de moi, on ne le donnera pas. Hein? Donc nous devons nous battre, nous devons nous-mêmes être compétents, nous devons nous-mêmes nous estimer compétentes pour faire quelque chose. Je fais WordPress, je suis compétente, c'est parce que je me suis dit, eh ben je peux le faire et je le fais. D'ailleurs, vous êtes en train de dire, j'ai 3 ans. 3 ans, donc voilà. Donc vraiment les femmes, mettez-vous au diapason. Vous me donnez raison lorsque je dis, il y a certaines femmes qui aiment les matus vues, il y a d'autres... Parce que lorsqu'Élysée... Nous sommes déjà à la fin. Ouais, j'ai des annonces. Nous sommes à la fin. Nous avons tout le mois de mars. Prochainement. Le mois de mars. Je vous promets, le mois de mars commence aujourd'hui. Je pense, pendant le 31 jours, vous avez pratiquement un jour par semaine pour ce web presse. Je vous mets au défi. Inviter les femmes, vous en aurez combien? Voilà les femmes, vraiment le défi est lancé. Venez relever ce défi. Il y en a, je ne redoute pas. Relevez le défi. Élisée Odia, Élisée Bilonda, Gudine Boalia, Mireille Ndeke, Alpha Moukadi. Voilà, merci. Venez relever le défi, les hommes vous ont lancé le défi, venez relever. Merci vraiment à mes confrères, merci à vous d'être passés à cette émission. Coup d'œil donc, un petit coucou à notre organisation Journaliste en Action. Merci à vous et Mois de la Femme, c'est un mois de réflexion, de petite pause, hein, parce que nous avons nos 11 mois, une petite pause pour voir un peu où nous en sommes. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, le mercredi prochain pour un autre webcast. Avec les femmes, je l'espère bien.